26 lions indomptables, Seigneur, entrent en stage ce 7 juin et ce jusqu'au 20 pour le deuxième regroupement lié à la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Une ossature de joueuses professionnelles et de joueuses locales avec l'absence remarquée et remarquable de la capitaine Gabrielle Aboudi-Ongéné. Gabrielle Zabo et son équipe accentueront le travail tout au long de ce regroupement afin de tirer les meilleures joueuses devant aller à la conquête du trophée final. Lors du premier stage, il s'est agi d'un travail foncier, notamment l'aspect physique, ponctué par quelques matchs amicaux. Cette deuxième phase de préparation donnera certainement les premières indications sur le groupe qui devra défendre l'honneur du pays. Des joueuses matures et expérimentées, à l'instar de Ange-Gabrielle Baou, Régine Flore Enyege, Marie-Aurèle Awono, Fallon Mofomotu, Raïssa Fedjo, Geneviève Ngombelek ou Shoud Njoya Adjara, mais aussi la génération montante constituée de Doudou Ousmanou, Monique Ngok, Flora Kameni, Lamine Mana, Kevin Osol ou Komé Aretouyap. Les choix seront difficiles en amical face à la France, mais surtout pour la liste finale. À chacune des présélectionnées de sortir du lot pour mériter une place au soleil marocain